aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action, un petit haul action. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pu trouver. Alors, vous savez que dans Action, il y a des vêtements, vous avez des sous-vêtements, vous avez des t-shirts, des fois vous avez des pantalons, des jeans, des choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis dit, je sais pas, j'hésitais. Et je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, teste. Et puis, ben, tu verras bien. Alors, j'ai pris un pantalon. Ça fait ma fille, ce qu'elle me dit, elle a le même, elle est en noir et ça fait sport. Hein. Donc, vous avez le haut comme ça, à galons. Ensuite, ça fait gris chiné blanc. Il n'est pas en coton, c'est une matière... Enfin, il n'est pas en coton, s'il doit être en coton, je sais pas trop la matière, en fait, pour vous dire. Et au pied, il est resserré. Voilà. Alors, j'en ai déjà acheté un. Je l'ai testé, je l'ai adopté. Franchement, on est trop bien dedans. Et je me suis dit, si j'en retrouve, j'en reprendrai un deuxième. Et ben, il y avait un deuxième. Alors là, j'ai pris taille L. Je fais du 40-42. Ça dépend des fringues. Et il est un chouille trop grand. Mais bon, je préfère, je suis plus à l'aise pour rester à la maison ou quand on a fait 2-3 courses vite fait. Là, je l'ai mis avec un haut comme ça, sport et tout. Nickel. Franchement, impeccable. Moi, 7, non, c'était 7 euros, lui, il me semble bien. Ensuite, j'ai acheté une ceinture. 3,99 euros, il me semble bien. Elle est comme ceci. Là, par contre, c'est pas taille unique. Hein. Moi, je prends mes ceintures en taille 95 cm. Donc, elle se présente comme ça. Vous avez des clous argent et un or. Deux couleurs d'argent, ouais, et un clou or. Voilà. Et ça, j'adore mettre des ceintures comme ça quand l'hiver, je mets des leggings et puis je mets des tuniques dessus. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Ensuite, comme vous savez, toutes mes affaires sont dans les cartons. Puis Action, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Je me suis dit, là, il faut que je me rachète pour faire la couture. Je déteste ça. Faire la couture, je n'aime pas ça du tout. Bon, cette petite boîte, elle est bien sympa. Ce qui m'intéressait, c'était surtout le noir et le blanc. C'est ce qu'on sert le plus, hein. Après, il y a d'autres couleurs dedans. Je ne l'ai même pas ouvert. Ah, il y a du scotch. Après, il y a d'autres couleurs dedans. Vous pouvez voir, là. Donc, elle ne prend pas de place. Et puis, je crois que c'était moins de 3 euros en plus. Celle-ci. Je ne peux pas vous remettre les prix en barre d'infos parce que ben, j'ai jeté mon ticket. Voilà. Ensuite, j'ai racheté l'incontournable huile de noix de coco. Où maintenant, ben, j'ai initié ma maman, j'ai initié des collègues de travail où elles font la cuisine qu'avec de l'huile de noix de coco. Alors, bien évidemment, pas tout, mais dans la majorité des choses, des aliments qu'elles peuvent cuire, on utilise ça. Et personnellement, moi, je trouve pas que ça a le goût de coco. Lisa, elle trouve, mais est-ce que c'est parce qu'elle sait que c'est cuit à l'huile de coco et qu'elle me dit ça? Mais non, j'en suis vraiment fan. J'ai le sucre aussi de coco où je me sers mon meilleur de soja nature. On n'a pas encore testé avec ma mounette pour faire des gâteaux, mais celui-ci, ouais, nickel. Donc là, vous voyez, sur le côté, il met la poêle, à laisser les moules à gâteau, dans les blenders, les smoothies, enfin tout ça. Bon. Écoutez, moi j'en suis fan, donc voilà. Ma mounette et moi, vous savez qu'on a le velvet, le chaud velvet, vous savez, pour les pieds. Il est topissime. Je vous ai fait une revue dessus, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Eh bien, on a vu que chez Action, ils vendaient ces petits rouleaux-là. Hein, c'est les rouleaux de rechange qu'on met dans l'appareil. Et c'était autour de 8 euros. Ouais, 8 euros. Hop. Donc, eh ben, on va tester et puis on va bien voir. Mais c'est vrai qu'il me semble bien, en plus, ce que j'ai dit à ma mère, qu'ils étaient beaucoup moins chers que dans le commerce. Ensuite, je me suis repris, c'est que ma mère, elle a les mêmes. Elle en a deux autres, elle a une pour le DK, une pour le café normal. Et comme ils ne boivent pas le même café que moi, enfin moi j'aime bien en son de CO, parce qu'ils ont la son de CO, le café de Super U doux, où bah, je l'aime bien, il est plutôt pas mauvais. Donc on a racheté une boîte, et regardez-moi ça, ça vous fait pas penser à quelque chose? Ah, viens boire lundi un café avec moi. Voilà, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Ouais. Des aimants derrière, on se demande pourquoi, tiens. J'avais même pas vu ça. Ensuite, qu'avons-nous? Ma maman, alors ça c'est pas moi, c'est ma maman qui s'est acheté en fait un diffuseur qui se présente comme ça. Donc ça peut faire aussi une bonne idée cadeau.
C'est enveloppé, c'est plutôt sympa, avec un nœud. Et où est-ce qu'elle me l'a mis? Il est ici, je vais aller vous le chercher. Tout de suite. Voilà, donc c'est un packaging en verre. Vous avez le petit truc, surtout ne le jetez pas, parce qu'il faut le visser. Ensuite, vous mettez donc vos petites tiges de bois. Ça sent bon, c'est très léger, c'est pas du tout entêtant, hein. Je vais regarder s'il y a la fragrance au cas où vous y allez. Mais bon, il est noir, hein. Vous voyez le packaging, il est tout noir. Il y a écrit ça. Voilà, c'est tout en anglais. Mais bon, ça peut faire aussi, ouais, je vous dis, un cadeau sympa. C'est original. Et si vous ne savez pas, ça par contre, je crois que c'est dans le commerce. Il y a aussi des diffuseurs comme ça pour les moustiques, ce qui peut être plutôt sympa. Ensuite, étonnée, j'ai trouvé mon dentifrice à Action. Là, il y en avait je ne sais combien de toutes les sortes, parce que bon, il coûte quand même 3 euros. Hein, donc, pour un dentifrice, c'est quand même pas donné. Mais en tout cas, moi, c'est un dentifrice, comme je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, qui me convient. C'est sur les conseils de ma dentiste, parce que j'ai énormément. Ça, on tient de famille au niveau dentition, les gencives et tout ça, le tartre et tout. Moment glamour. Hein, mais bon, il faut en parler, ça, c'est de la beauté. Eh bien. Je fais un détartrage au moins une fois à l'année, parce que c'est ça aussi qui me fait, comme ça se met en dessous les gencives, qui me fait saigner les gencives. Et elle m'a conseillé le Sensodyne, et depuis que je l'ai testé, j'ai pratiquement plus les gencives qui saignent, et vraiment j'aime beaucoup, je vous le conseille. Il y a plusieurs sortes de Sensodyne, moi c'est celui-ci que j'aime bien, le gel fraîcheur. Voilà, là il y en avait plein, je me suis dit qu'est-ce que je fais la rasière ou pas. Je me dis oh non, quand même exagère pas Madine. Ma maman, elle est une fan des torchons bleu turquoise. Alors, c'est une couleur que j'adore, le bleu turquoise. Elle, elle est fan, je ne sais pas pourquoi. Donc, elle est en train de se faire une collection, vous voyez, des torchons de cuisine. Ils sont plutôt sympas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, bleu turquoise. Donc, du coup, bah, elle se fait sa petite collection, tranquillou. Et c'est vrai qu'ils sont pas mal au niveau tissu, même pour essuyer la vaisselle. Des fois, il y en a, ils sont tout lisses et on ne peut rien essuyer au niveau des verres. Moi, j'ai acheté un petit calepin, ça me faisait penser trop aux vacances. Hein. Voilà, il se présente comme ça, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'aime beaucoup les calepins, pourtant, je n'écris pas plus que ça. Mais voilà, là, vous voyez, j'en ai un autre à côté de moi où j'ai aussi acheté à Action. Lui, par contre, bah, là, je m'en sers... Là, par rapport à YouTube où j'écris pas mal de petites choses dedans, le papier, c'est un petit peu du papier fin, un petit peu merdouillon qui se déchire facilement, hein. Mais moi j'aime bien et puis ça change. Ensuite, avant-dernière chose, des boîtes, c'est pas la marque Tupperware, hein, donc on va dire des Tupperware qui vont au congélateur, qui vont au lave-vaisselle. Moins 40 et plus 100 degrés. Et au lave-vaisselle qui se présente comme ceci. C'est toujours utile. Si on veut pique-niquer ou autre, un reste alimentaire ou n'importe quoi. Et là, mes parents vont partir bientôt en vacances. Et maman, bah, c'est plus ça en fait pour s'arrêter sur l'aire d'autoroute s'ils veulent emmener quelque chose à manger. Voilà. Puis il n'y a pas beaucoup de place. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont quand même assez hautes, celles-ci. Voilà. Et la dernière chose, alors là, c'est pas moi hein, qui l'ai pris, c'est maman. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Elle s'est acheté une machine, en fait, pour détruire les papiers. Alors, je vais reculer peut-être la caméra pour vous montrer de loin. Voilà, ça se présente comme ceci. Ça fonctionne avec prise de courant. Et c'est une déchiqueteuse. Parce qu'en en fait, elle faisait brûler tous ses papiers confidentiels quand ils allument la cheminée l'hiver. Et là, elle s'est dit... J'en ai un petit peu marre, donc elle a pris ça. On ne l'a pas encore testé, donc on peut même détruire les cartes bancaires. Ouhou, je vais planquer la mienne. Et ça, c'était moins de 10 euros. Alors, je vous dis moins de 10 euros parce que je crois que c'était 7 ou 8, je ne me souviens plus. Elle est garantie 2 ans. Vous voyez, c'est écrit au-dessus. Donc, on la testera et puis je vous redirai ce qu'on en pense. Ça fait 7 litres 5, ouais. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et puis bien évidemment il y aura d'autres hauls actions. Là, ben, j'en fais un peu moins dans le sens où je ne suis pas chez moi, donc ben, j'ai besoin de rien, quoi, façon de parler. Mais il y a toujours des petites choses intéressantes comme là où moi mon coup de cœur c'est quand même ce petit pantalon. Enfin ce pantalon qui est tout à fait normal. Mais ça c'est ouais pour que je l'ai racheté deux fois.
Et puis ma petite ceinture là, dont je vous ai présenté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.